Ma première facette, c'est la famille. La famille, c'est le premier monde dans lequel l'enfant évolue, grandit. Et c'est souvent un nid à problèmes. Évidemment, il y a de l'amour, mais il y a aussi des conflits, il y a des rivalités. Et un certain nombre de mes romans tournent autour de cette notion de problèmes de famille qui peuvent blesser, mais qui font grandir aussi. La deuxième facette, ce serait le rêve. Je suis quelqu'un qui note souvent ses rêves. Ça donne parfois des romans. Et de façon générale, je suis très attaché à ces contrées nocturnes dans lesquelles l'esprit se libère, les histoires peuvent grandir. Et pour moi, le rêve, il est vraiment associé au voyage. C'est comme une seconde vie que notre cerveau nous offre. Ma troisième facette, c'est la région de l'Est, dont je suis originaire. Alors, c'est très vaste. L'Est, c'est en gros l'Europe de l'Est. Moi, je suis originaire d'Alsace-Lorraine. Et cette région, pour moi, c'est un réservoir à histoire. Il s'y est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un réservoir inépuisable à histoire et à mythes.